Allez. Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Alice, retour au pays de la folie. Live, sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Je pense qu'elle pouvait aller plus vite. Ouf, t'as plus... Non, il y en a encore. C'est beau ça? Tabarnak, tu m'engoles ou quoi? Je vais où?
Ah là. Yes. Oh, tabarnak. Ok, non, je m'en parle là, c'est bon. Tabarnak. Ok, laisse-moi tranquille là, 2 secondes. Et oui! Tabarnak. Yes, c'est fini. Ah shit. Thank you.
Bon, la moitié des points, toi. Bon. Tabarnak, j'ai pas vu. Je vais aller sur la plateforme du milieu, il pourra pas me toucher. Oh tabarnak, il saute, tu. Ah, oh, il était viré en plus. Et voilà. Bon, on se rapproche de la fin, là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là? Allez, un moment intéressant. J'ai pu jouer un rôle dans ce désastre. Mais je n'ai jamais mis le feu. Les centaures n'existent pas, contrairement au docteur. Je l'ai vu, un étudiant sans envergure. Je me souviens de lui. Cette clé, c'est celle de Lizzie. Non, c'est le docteur Katé qui l'a tué, qui l'a violé puis l'a brûlé. Et d'eau.
Retenez vos larmes pour votre grand-père, mes filles. Il vécut longtemps. Et comme le dit la fable, la mort jamais ne surprend le sage, car lorsqu'elle se présente, il est déjà prêt à partir. Il voulait me faire faire des choses horribles. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il voulait faire, Gwen? Conte-nous ça. Il voulait jouer au petit cheval avec nous. Tigalot. Le cheval avait une grosse queue de cheval. Plein de cheveux. Oh, c'est qui ça? Ne suis-je pas la plus misérable et égoïste victime du destin? Insouciante, je vis parmi les prostituées. Mon mentor est un violeur et un marchand de joie. Je suis la complice de celui qui a assassiné ma sœur et tué ma famille. Il a corrompu mon esprit. Je cherchais à soulager ma souffrance et vous m'avez détourné de la vérité. Tu y étais presque, presque libre de tes peurs. Tu aurais pu être guérie. Tu aurais pu oublier. Oublier les souvenirs que j'ai de ma famille? Ils sont morts. Et tu devrais l'être aussi. Vous n'êtes qu'un abominable bâtard. Un meurtrier, un parasite, buveur de sang. Ce que vous avez fait aux enfants, quelle torture! Je fournis des services. Dans cette grande et terrible métropole, il faut assouvir toutes sortes d'appétits. Ma famille, mon esprit, le train infernal! Le train est ton invention, ta parade. J'ai seulement choisi l'heure et l'itinéraire. Le train arrive et ses wagons étincelants, ses sièges douillets et ses roues de diamants. Vite, mes petits, ne craignez rien, l'homme dont la lune est le mécanicien. J'arrêterai ce train, je l'arrêterai, quoi qu'il en coûte. Ainsi soit-il, tu payeras. Tu es perdu. Et ton esprit ira bientôt rejoindre ton corps. Peut-être l'a-t-il déjà rejoint. Et tout nu.
Vous n'êtes qu'un pervers dégoûtant. Ces enfants portent leur nom autour du cou comme des animaux. Plus simple qu'un arbre généalogique. Fais-en autant, ils sont fiers de leur origine. Vous mentez! Ils ont tout oublié jusqu'à leur identité! Combien d'esprits avez-vous ainsi égarés? Pas assez. Le tien aurait fait ma gloire, mais ce n'est qu'une ruine. Mon travail est fini. Chapelier, je dois arrêter ce train d'enfer et les forces qui le poussent. Le clou du spectacle, n'est-ce pas, Miss Marteau? D'abord tes recherches, entravées par ta peur des souvenirs. Maintenant ce train, ce n'est jamais l'heure du thé alors? Si ton cerveau déraille, c'est fini. Nous sommes tous fous. T'aurais bonne excuse pour aller faire un tour en théière, mais pas pour tout oublier. Oublier, c'est oublier, sauf quand c'est plus compliqué. On appelle ça autrement, alors. J'aimerais oublier ce que tu as fait. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Vous m'avez abusé, mais vous ne me détruirez pas. Non, les dégâts sont là. L'ancienne Alice et son pays des merveilles sont détruits. Tu n'es même plus capable de t'en souvenir. Tu ne peux rien faire contre ça, ou contre moi. Je m'en suis assuré. Tu viens pour ton châtiment, alors? J'ai fait quelque chose de mal, mais ma punition ne rendra aucune victime. Le sévice est le crime du fort sur le faible. Certes, les sévices sont insuffisamment punis vu les souffrances qu'ils infligent. Ceux qui assistent à un sévice sans intervenir pour la victime en paient le prix. Tes souffrances excusent ton manque de réaction. Mais tu dois payer ton témoin de la douleur. So. Vous avez floué ma mémoire, mais je n'ai pas tout oublié. Tu aurais pu être une brave fille. Beaucoup de mes clients cherchent une belle femme sans illusions stupides, sans souvenirs encombrants ni rêves de prince charmant. Tu n'en as fait qu'à ta tête, t'accrochant désespérément à tes fantaisies. Tu es folle, comme ta sœur. N'en parlez pas! Vous n'en savez rien. Ta sœur était taquine. Elle m'a bien provoquée. Elle a eu ce qu'elle méritait, pour finir. Allez-y, jusqu'où ira ce maudit train? Folie et destruction. Tu ne devrais pas poser des questions dont tu connais déjà les réponses. C'est impoli. Tu sais bien que ta sœur ne parlait jamais dans son sommeil. Oh! Non! Pauvre Lizzie! La reine rouge, c'est sa sœur. À Londres. Ta survie est notre salut à tous. Ne nous oublie pas! Dégueulasse.
Qu'est-ce qui va être sa mécanique? Ça. Calice. J'avais pas vu qu'il avait arrêté. Tabarnak, c'est quoi ça? Pas trop beau, ce chat-là. Et pas trop beau. Tu veux que tu continues? Oui. Commence. C'était pas trop beau, ce chat-là. Oh fuck.
Ni une. Tabarnak. Okay, pourquoi ça passe à travers de ça? Hostie. Oh, t'as pas emmené. Ah, shit. Oh, fuck. Ah, tabarnak! Oh, je l'ai eu! Oh là! Non, lâche-moi!
Non! Je suis sûr qu'il y a une autre partie, ça peut pas être juste ça, là. Hey, c'est bon, si oui, yes. Oh mon dieu, je pense que j'ai peut-être eu. J'aurais pas aimé recommencer, surtout que la première main, je l'ai eu facilement. Pas d'indulgence, non. En prison, d'autres détenus vont s'occuper de vous, croyez-moi. Et ça par devant. Vraiment, une femme hystérique, anciennement internée, vociférant des accusations à l'encontre d'un scientifique et philosophe. What's up, Silent Star? Grand Dieu, Alice, qui va t'écouter? J'ai moi-même du mal à y croire. Vous, vous n'êtes qu'un monstre. Un jour viendra, vous serez puni. Par qui? Par quoi? Pauvre idiote psychotique, ta folie te condamnera. Va-t'en, ta remplaçante va arriver. On va le pousser devant le train. Pas fini. Orphelina. C'est ainsi, que veux-tu? Bien peu savent trouver le chemin, et ceux qui le trouvent ne s'en rendent pas compte. Les illusions s'effacent. Seuls les sauvages résistent à la douleur pour prouver leur qualité. Oublier est plus confortable, garder la douleur. Une torture. Mais certaines vérités justifient les souffrances. Le pays des merveilles amoché reste dans ton cœur. Pour l'instant. Terminé. Un autre jeu sur la longue liste du caribou canadien. Oh yeah! Hello Silent Star, merci Gwen.
Depuis le 31, j'ai fini 12 jeux. Allez, mets de la musique. Bravo, franchement, bravo. Un gros merci. Mais je pense qu'il y a un autre jeu là-dedans. Je sais pas. Je vérifie rapidement. J'ai bien aimé ce jeu-là. C'était... Ça fait longtemps que je voulais le faire. Ça fait comme 5 ans que je l'ai, ce jeu-là. 6 ans même. Je l'avais sur une autre Xbox. Sur un autre account. Parce qu'il était à donner, si je me trompe pas. Peut-être sur le gold, ou à moins qu'il était dans le EA, comme qu'il est présentement, dans le EA Sports. Attends, machin chouette. L'histoire est psychotique. Mais ah ouais, l'histoire est bonne. Moi, ça ne me dérange pas de jouer à des jeux qui est lent. Comme là, c'est un jeu à peu près de... J'ai joué 17 épisodes. Épisodes, oui. 17 épisodes. Ça ne me dérange pas de jouer autant longtemps si l'histoire est bonne. Tu sais, il y a une différence avec le jeu qu'on a joué. Là. J'ai joué 47 fois. Là. Walking Zombie 2, là, tabarnak. Tu sais, il y a des limites, là. Ça, je commence à être bête année, là. C'est le temps que ça finisse. Exact. C'est pour ça que quand j'ai terminé celui de Star Wars. Je suis même pas un fan de Star Wars, mais celui-là, je l'avais super aimé. Là. Comment ça s'appelait? Là? Fallen Order, quelque chose de même. Ils vont en faire un deuxième de lui. Même si je suis même pas un fan de Star Wars, j'ai aimé ça. C'est le fun. Resident Evil.
Ça s'appelait Star Wars Fallen Order, que je fais même. Ça, je l'avais trouvé super bon. Je l'avais reçu gratuit à partir de Mixer. C'est le seul jeu que j'ai reçu, ça, gratuit. Ça, tu faisais la demande, puis les jeux qui t'intéressaient, puis tu pouvais en recevoir un. Puis je l'ai fait souvent la demande, j'en ai jamais reçu, sauf celui-là. Puis j'étais comme, oh, bon. Un jeu à 100$, ça valait la peine. C'est bon. J'ai fini comme à 80%. Peut-être un petit peu plus au niveau des objets ramassés, puis tout et tout et tout. Là. J'avais super aimé ça. L'histoire était super bonne. Bon, ben on va passer à tous les pays de la planète, là. Bienvenue sur Electronic Arts. Bonjour. Bienvenue sur Electronic Arts. EA Sports. Electronic Arts, République, République Tchèque et Slovaquie. Electronic Arts, Hongrie. Electronic Arts, Italie. Comment tu penses qu'on va en avoir d'autres? Electronic Arts, Asie du Pacifique. Electronic Arts, Allemagne. En fait, c'est pas un nom de chronologie alphabétique, hein? Electronic Arts, Espagne. Oh, excusez. Electronic Arts, Royaume-Uni. Electronic Arts remercie Willy Lamotte. Imagine qu'il ne va pas remercier 3-4 personnes. Au moins, ils sont déjà en ordre chronologique, alphabétique. Là, on est déjà rentré dans les R. Ah ben, tabarouette. Non, ça ne l'est pas. Parce qu'il y a un C. Même danser et chanter. Assurance qualité EA. Electronic Arts. Bienvenue sur Electronic Arts.
Bienvenue chez Electronic Arts. Bienvenue chez Electronic Arts. Mais... Et Game Lab, tap. Ça fait presque 10 minutes de... crédit. Credit. C'est quoi en français? Équipe de localisation. Tabarnak. Bienvenue chez Electronic Arts. Oups. La manette s'est endormie. La partenaire. C'est quoi les signes chinois? Ils ont mis des noms au hasard. Juste au milieu, comme ça. Bienvenue chez Electronic Arts. Test de conformité de la localisation. Blade 3D, infographie 3D. Voudrais voir ta mère. Et pleurer vers le ciel. Il aurait pu mettre de la musique au moins. Ils ont mis 15 secondes. Bienvenue chez Elite. Oh mon dieu, China West Coast. Tech. Oh. Infographie 3D. On va la voir. Bon, je te parlais tantôt. Resident Evil. C'est quoi? Je connais pas les jeux Resident Evil. Resident Evil. Voyons. De chez vous. Ne fais pas attention à ce détail. Voyons, c'est
C'est les premiers jeux d'horreur qui sont sortis pratiquement. Ils ont sorti des films aussi. Mais ils en avaient fait un nouveau complètement avec un nouveau créateur, puis ils se sont dissociés de la première série, puis c'est correct. Là. Ils ont fait plein d'erreurs. Tu sais, quand t'es un grand fan, tu sais toute l'histoire comme il faut, puis ils font plein d'erreurs, t'es comme, oh, yeah. Déjà, ils ont mélangé Resident Evil 1 avec Resident Evil 2, et ils ont pris un peu d'ici et là de Resident Evil 3, puis un petit peu de parcelle de Code Veronica, puis ils ont fait un film avec ça. Tabarnache, puis ils ont dénaturé le film, l'ambiance était beau, les zombies étaient beaux, le manoir était beau, mais la personnalité, puis il manquait des personnages, ils ont mélangé les groupes Alpha, puis Bravo. Tu vas me dire, tu connaissais pas Resident Evil, puis là, tu connais le jeu. Ah ouais. Le journal de vampire, c'était-tu pas bon ça? Il y a 8-16 ans, j'ai pas envie de me taper 8-16 ans. C'est-tu pas bon ça? Vampire Diary, le journal de vampire. Ce soir, un nouveau monde va se lever sans soleil. C'est une série, par exemple. Mais entretien avec un vampire, non, j'ai pas écouté le film. C'est pas Tom Hanks là-dedans? Et ça fait quoi, 20 minutes de crédit? Ah ouais. Non, j'ai pas écouté.
Ah non. Oh. Epic Game Inc. On dirait qu'on connaît juste Epic Game à cause de Fortnite, mais ils étaient là avant, bien avant. Hein. Ça sent la fin. Cette production est susceptible de contenir de la publicité ou du placement de produits. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Alice. Retour au pays de la folie, live, sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!